Yo tout le monde, salut les amis, on se retrouve pour ce David Lafarge Formule 1. On se retrouve pour le Grand Prix du Canada. 2006 sur le circuit donc de Montréal où Gilles Villeneuve. On va lancer donc la séance de qualification. Alors par rapport aux essais libres, on s'en sort pas trop mal. Disons qu'on peut tenter peut-être d'avoir une Q2. Bon, faut dire que c'est un circuit qui est quand même beaucoup plus simple. Donc on va tester. On va voir ce que ça donne. Nous voici sur le J'espère qu'il pleuvra circuit pas, Gilles Villeneuve de comme Montréal au d'habitude, Canada. parce que La s'il première pleut, bon ben voilà, compétition vous va savez commencer. déjà. Alors, On va place à faire l'écran. réglage de la voiture, par contre je vais me remettre en tendre, parce que bizarrement j'étais pas en dur. Retour, on va faire quitter le Attention. garage. Et c'est que j'ai fait les temps en dur en C'est plus du coup, alors Fernando peut-être que je peux faire Alonso encore qui mieux, à reprend en voir. premier la piste. Allez c'est parti, il y a du monde hein, qui va sortir, je crois qu'on va pas trop être gêné. Parce que ça serait vraiment dommage. Allez, c'est parti pour le Grand Prix, enfin pour le circuit de Montréal. Elle est plutôt sympa d'ailleurs comme tracé à prendre dans ce jeu. Bon, les bordures, il faut éviter le plus possible parce que ça fait un peu glisser en sortie et en entrée d'ailleurs. J'ai pas forcément trouvé tous les bons points de corde, mais bon, on va dire que ça peut peut-être passer. Je crois qu'on va pas se faire gêner par les pieds devant nous. Bon, c'est une super augurie, alors je pense que potentiellement on peut se faire gêner. Chicane. Bon, l'inspiration un peu sur la, voilà, sur la super aiguille. C'est parti. On va faire un tour tranquille pour au moins faire un temps. Ah, j'ai raté la sortie. Là, il y a deux solutions, hein. Soit on tire tout droit et on accélère très fort, soit on prend bien l'intérieur. J'ai plutôt tendance à prendre l'extérieur, même si là j'ai plutôt fait l'inverse. Thiago Monteiro réalise un nouveau temps. Il devrait être satisfait de son résultat. Christian Albers réalise un nouveau temps. Je me suis totalement raté dans mon secteur. J'ai fait quand même mieux que mon équipier. Takuma Sato achève son tour complet. J'ai fait le même portion. Jacques Villeneuve termine un tour complet. Il ne doit pas être content. Sa voiture n'a pas cessé de balayer toute la largeur de la piste. J'ai perdu du temps là, malheureusement avec la glissade. On va encore faire une tentative de toute façon. Avec le moins d'essence possible. Mark Webber boucle un tour complet. Je suis encore en avance. Rubens Barrichello termine son tour complet. Je pense qu'il peut être content de lui. J'ai vraiment raté mon tour là. Il a fait ce qu'il fallait ici. Allez, on peut le faire, on peut le faire. Yuji Hide boucle son tour.
Il doit être déçu. Ses réglages ne semblent pas adaptés au circuit. Allez, 3 dixièmes de mieux dans le premier secteur. Vite Antonio Hughes y achève un tour de qualification. Un résultat assez médiocre. La voiture ne semble pas au mieux de sa forme. Les pilotes bouclant actuellement un tour complet sont Felipe Massa, Ralf Schumacher, Giancarlo Fisichella, Jenson Button, Michael Schumacher. 4 dixièmes de mieux, faut pas rater la dernière chicane. Rubens Barrichello termine son tour complet. Il ne doit pas être content, sa voiture n'a pas cessé de balayer toute la largeur de la piste. Ouais, c'est bon, on l'a plutôt bien pris. Christian Albert. Oh, j'ai pas réussi mon dernier tour. Il a fait ce que l'on attendait de lui. Vraiment. Allez, retourner au garage. On va vite refaire une tentative. Eh, j'ai vraiment raté mon dernier secteur. Hein. On est 16ème pile. Ah, si je fais pas de bêtises, je peux faire mieux. Faut surtout que j'ai une piste claire pendant mes tours. Faut vraiment pas rater la relance dans l'épingle. Oh, c'est qu'on va être gêné par la BMW Williams là. La Sauber BMW, pardon. Oh putain! Nickelfeld achève son tour complet. Il devrait en être content. Ah, génial. Super. Comme par hasard. Allez. Les pilotes bouclant actuellement un tour complet sont Christian Albers, Takuma Sato, Jacques Villeneuve. Je suis un peu en retard, mais je peux quand même faire mieux. Putain, je tirais tout droit, et voilà, magnifique. Génial. Alors, réfléchissons, il va falloir que l'on laisse passer tout le monde ici. Voilà, on va se mettre ici. Au sens, je sais pas si je suis qualifié 16ème, si c'est dans 16ème, c'est pas qualifié, je sais plus. Allez, on tente une deuxième fois. Jenson Button boucle son tour complet. Ah, plutôt bien pris la sortie, même si j'ai glissé. J'ai l'aspiration, oh c'est parfait. Thiago Monteiro réalise un nouveau temps. Un résultat assez médiocre, la voiture ne semble pas au mieux de sa forme.
Si je pouvais prendre l'inspiration, ce serait cool. Oh, il y a du monde devant. Yuji Hide boucle son tour. Il a assez bien marché, pas mal du tout. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, sans déconner? Christian Albert se réalise un nouveau temps. Vous avez vu la chance que j'ai, c'est génial, hein. Allez, dernière tentative. Et ben voilà, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, 17ème. Et voilà, on n'aura pas réussi parce que ben, on a fait des erreurs, ça sera fait sortir une fois, on se sera fait gêner copieusement dans le dernier secteur. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. La deuxième séance va commencer. Les chronos ont été. On va faire du coup quitter la séance. Nous allons passer à... Non mais c'est fou, j'ai une chance mais tellement nulle quoi, mais qu'est-ce que je fasse franchement. Les jeux sont faits. De la 10. Allez, c'est parti. On va voir de la qualification rapidement, on va faire course. Nous voici dans la merveilleuse ville de Montréal qui accueille le Grand Prix du Canada. Oui, vraiment. C'est jour de course à Montréal et nous avons 112 000 personnes présentes ici sur le circuit de Gilles Villeneuve. Le circuit en lui-même est une répétition de portions très similaires avec de longues lignes droites, des virages doux et des zones de freinage difficiles. C'est un circuit qui demande de la stabilité dans le freinage, une faible traînée sur les lignes droites et une bonne adhérence à la sortie des virages. Comme toujours, une bonne place sur la grille est essentielle. Je sens qu'il va pas faire beau. Massa en pole devant Raikkonen, Montoya, Alonso, Fisichella, la Button, Trulli, Barrichello, Hülkenberg, Rosberg. Changer de vue. On dirait que ça fait des heures que les pilotes attendent le signal du départ. Allez, c'est parti. Allez, départ. On va essayer de s'intercaler le plus vite possible pour prendre des positions. Les pilotes sont au coude à coude à l'approche du premier virage. Felipe Massa sort en tête du premier virage, suivi de Kimi Raikkonen. Derrière lui, Juan Pablo Montoya. Les portions 1 et 3 sont en jaune pour l'instant. Attends de voir le drapeau vert. Bravo, mec! Tu progresses bien au classement. Il a pas dit, mec? Allez, prenez un screenshot, on est 9ème. Ok, je tire tout droit. On a rien vu. On va faire un petit bouchon. Oh putain, mais c'est pas vrai! Quel gars de merde! Mais quel gars de merde! J'en peux plus de ce jeu, putain! Maintenant c'est l'arrière qui est niqué. Voilà à quoi ressemble la course après le premier tour. Massa occupe la première place. Et voilà, fin de la partie, encore un abandon, je ne peux strictement rien faire dans ce jeu. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, de toute façon on a l'habitude. Victoire de Massa, Raikkonen, Montoya, Button, Alonso, Trulli, Fisichella, Rosberg, Barrichello, Klein et Heidfeld. Et regardez, il n'y avait plus que 12 voitures à l'arrivée. Évidemment. Oh, Schumacher avait abandonné, j'ai pas fait gaffe. Mais. Qui a fini le mieux chez nous? Montero a fini combien? 13, 14, 15, 16, 17. Et est-ce qu'on montrait pas d'une place au championnat constructeur grâce à ça? Alors, Lanzo en tête de championnat, Massa a 10 points d'écart, Physique il a 44, Raikkonen 44. Ouais, ok. Classement pilote, ça bouge pas. Ah non, mais idée est 18ème. Ouais. Mort. Le classement constructeur, c'est Renault dans Ferrari, McLaren, Honda, Toyota, Sauber.
qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Franchement, il n'y a rien à faire. Peu importe ce qui va se passer, je vais toujours me faire sortir et quand même détruire par l'IA ou autre. Donc bon. Allez, on se retrouve pour la prochaine, le Grand Prix des USA. Pour peut-être finir une course, qui sait. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.